Et pour cette installation, ici, on avait une terre qui était trop élevée. Et donc, on a dû planter un nouveau piquet de terre avec un morceau de câblette relié à la barrette d'origine. Ce qui fait que maintenant, on obtient une terre correcte, c'est-à-dire inférieure à 100 ohms. Donc, je mets le testeur. Et donc, on peut voir qu'on a 240 volts. Qu'on a les phases neutres terre là bien branchées et qu'on a une terre inférieure à 100 ohms. Là, on a 25 ohms, c'est parfait. Voilà.